tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube La Main Verte de Marion. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un sujet qui me tenait à cœur et qui intéresse un bon nombre de jardiniers, c'est la taille de la tomate. Nous allons découvrir ensemble tout ce qu'il faut savoir sur comment tailler une tomate, à quoi ça sert, pourquoi et comment le faire. Nous allons voir ensemble toutes les techniques et astuces dont je vais vous parler. Allons-y! Donc là, je vais vous présenter comment on enlève un gourmand. Donc ici, vous voyez, dans un premier temps, cette partie-là, j'ai utilisé des plants issus de greffes, donc des plants de tomates rondes greffées, puisque c'est des tomates qui sont quand même plus résistantes aux maladies, aux ravageurs, avec un développement plus important qu'un plant issu de semis, et normalement une récolte plus productive et avec des propriétés physiques qui sont quand même nettement supérieures aux plantes issues de graines. Derrière moi, donc la ligne juste après moi, j'ai utilisé des graines de style pour réaliser les plants à partir du mois de mars. Fin février, début mars, j'ai effectué les semis en amont dans une petite serre à côté. Et à la suite de ça, la germination a duré environ une dizaine de jours. Ensuite, je les ai rempotés dans un contenant plus grand parce que je les avais semés en plaques alvéolées. Donc, ils ont germé au bout de 10 jours. Ensuite, je les ai rempotés dans des pots un petit peu plus gros qu'un godet. J'ai utilisé un pot d'un litre pour avoir un système racinaire plus performant. Donc, je les ai rempotés là-dedans au bout de 4 semaines. Puis, 4 semaines après, donc lorsque le plant faisait environ 35 cm à peu près, je les ai repiqués directement en pleine terre. Donc vous avez la première ligne, les tomates greffées, et derrière, les tomates issues de semis de graines de style. Donc peu importe que ce soit du greffé ou du non greffé, le système de taille reste exactement à l'identique. Donc ici, sur ce plant de tomate, donc vous avez la tige principale, donc c'est vraiment celle-là qu'il faut conduire en hauteur pour que se développent au fil et à mesure de la croissance tous les bouquets de fleurs pour les futures tomates. Et au niveau du feuillage, vous avez à chaque feuille, donc à chaque départ de feuille, ça s'appelle un entre-nœud. Au-dessus de chaque feuillage, donc c'est-à-dire au-dessus de chaque feuille, à l'aisselle de la feuille, vous avez un développement axillaire. Donc ici, vous voyez le développement d'un départ axillaire qui permet au plant de tomate d'avoir plusieurs têtes. Donc la tête principale, elle est ici, mais nous pouvons laisser plusieurs départs pour avoir plusieurs têtes. L'avantage, c'est d'avoir un buisson de tomates, mais le problème qu'il y a, c'est que l'air ne passera plus forcément puisque vous aurez un gros buisson. Donc problème de maladie puisque moins d'aération, problème de quantité de fruits puisque le plant va devoir consommer beaucoup plus d'eau, beaucoup plus d'éléments minéraux, et il y aura moins d'énergie pour développer en grosseur vos fruits de tomate. Donc ce qui est important, c'est vraiment de les enlever pour enlever tous ces risques de sanitaire et d'avoir une belle production, avoir une belle récolte savoureuse. Donc les techniques, vous avez soit le sécateur pour enlever vos gourmands lorsqu'ils sont gros, ou bien directement juste vos deux doigts pour former une petite pince pour couper directement en pinçant ou en faisant tomber d'un côté et de l'autre. Donc voilà, là vous avez un premier départ enlevé. On regarde en dessous. En dessous, il y en a une aussi. Et après, là, ils ne sont pas encore développés. Vous pouvez voir qu'il y a une première feuille qui est là, prête à développer, mais il est encore trop tôt pour l'enlever. Ce qui est important à la suite de tout ça, c'est une fois que vous avez enlevé votre gourmand, il faut absolument le mettre dans un seau lorsque vous avez plusieurs tomates à faire. Il ne faut pas les laisser par terre puisque c'est un risque de maladie et de ravageurs. En effet, ils vont se décomposer au pied de votre plante, au pied de votre plant de légumes, et vont attirer tous les insectes qui sont néfastes pour vos cultures. Donc c'est important de le mettre en dehors de votre espace de culture. Et n'hésitez pas soit à le mettre au composteur ou à faire aussi des décoctions d'engrais pour pouvoir enrichir après vos plantes.
parti pour la taille. Donc nous avons besoin d'un sécateur ou d'un greffoir pour ceux qui n'ont pas de sécateur. Vous pouvez même également utiliser un cutter. Attention de bien avoir nettoyé au préalable votre outil pour ne pas apporter de maladie avec la coupe que vous allez faire, puisque la coupe que vous allez faire, ça va être une ouverture aux maladies jusqu'au temps que la plante cicatrise. Allez, c'est parti! Donc ici, vous voyez, vous avez la base. Donc là, c'est une tomate greffée à deux têtes que nous avons ici. Donc il y a la première feuille. Nous coupons au bord de la tige, comme ceci. La feuille d'au-dessus, voilà. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai enlevé environ 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles pour avoir la première grappe. Donc voilà, la plante est terminée d'être taillée. Donc j'ai enlevé les gourmands en partie haute et j'ai enlevé le feuillage en partie basse. Donc vraiment des feuilles entières, il ne faut pas avoir peur de les enlever. Donc toute l'énergie qu'il y avait dans ces feuilles-là, donc les 5-6 feuilles que j'ai coupées, ira en tête et permettra de développer les fruits et d'avoir des fruits beaucoup plus gros. Merci de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube La Main Verte de Marion. J'espère vous retrouver à travers une autre vidéo pour vous évoquer de nombreux conseils. Allez, bonne journée, à bientôt les jardiniers.